Shalom, shalom. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous rendons grâce au Dieu d'Israël, le puissant de Jacob, Hakadosh Baruch Hu, Gadol Hashem, et lui qui nous soutient par sa grâce, lui qui nous donne la force de nous présenter devant vous, de venir dans vos maisons, dans vos smartphones, dans vos iPhones, dans vos ordinateurs, dans vos télévisions à la maison, pour vous qui nous suivez en famille, paix et grâce. De partout où vous nous suivez, que les faveurs du Dieu d'Israël s'abattent énormément sur vous. Je vous aime. Je vous aime énormément parce que vous aimez le Seigneur. Vous consacrez votre temps à écouter la parole de Dieu. Vous consacrez votre temps à entendre les oracles de l'Éternel. Laisse que le Seigneur vous soit favorable en tout et pour tout, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. C'est le docteur Paul Dima, votre pasteur du soir. Aujourd'hui, nous commençons avec ces retards, parce que ça a été annoncé que nous commencerons aujourd'hui à 22h GMT, 21h d'Afrique, et 17h de la Guyane et 16h Guadeloupe et Martinique. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et 16h également pour Floride aux États-Unis et d'autres villes, ainsi de suite. Voilà, nous sommes là pour clôturer aujourd'hui ces séminaires du mois d'août. Vous savez que ces séminaires étaient pour le mois d'août. Nous devrions donc parler de toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous clôturons le mois d'août avec ces séminaires. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il déverse sur vous sa grâce. Amen. Alors, merci de liker la vidéo et de partager le lien. Je bénis déjà ma fille Chabé qui est là, ma maman Gerti, toujours au poste, les fidèles de l'école du soir. Vous êtes nombreux, Maggie, ma maman Gerti, famille Melsan, alléluia, ma révérende sœur. Oh my God, quand nous allons dans les vies des nations, je vois mon fils, le Yarish Malik, je vois les bien-aimés Ngomo depuis le Cameroun, alléluia, je vois ma sœur Anne depuis Guyane française à Saint-Laurent du Maroni, amen, laisse que le Seigneur Dieu bénisse, je vois ma fille Cécilia depuis le Luxembourg. Voilà, nous bénissons le Dieu d'Israël. Connectez-vous, partagez les liens, et nous allons mouvoir dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Merci, je vous laisse le temps de partager les liens, de liker la vidéo, et moi également, je vais devoir le faire. Oh, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Jésus est Seigneur, à la droite de Dieu le Père, il règne pour toujours, il règne. Notre Seigneur règne, il règne. Voilà, partageons les liens dans du groupe, envoyons à certaines personnes et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Vous bénirez une âme, vous sauverez une âme, alléluia, vous sauverez une âme. Oh, glory to Jesus, glory to Jesus. Voilà, waouh. Enfin, nous sommes à la fin de ce séminaire. Amen. Bien-aimés, nous avons beaucoup parlé. J'ose croire que vous avez été bénis. J'ose croire que vous avez été bénis parce que là, nous avons parlé tous les mois. Nous avons touché les 7 jours de la semaine. Nous avons parlé des démons géants du jour et les démons collaborateurs. Et là, nous avons touché les démons géants des mois et les démons collaborateurs. Et voilà, là, il nous reste 3 mois. Aujourd'hui, nous allons essayer de toucher les 3 mois. Vous remarquerez que je serai un peu rapide et peut-être je n'entrerai pas trop en profondeur, mais je vous donnerai l'essentiel pour vous aider à prier, pour vous motiver à vous organiser dans des moments forts de prière. Amen. Alors, je salue mon épouse qui est là. Ah, bisous chérie. Amen. Alléluia. Oh my Jesus. Voilà. Bientôt 19 ans de mariage avec ma femme. Elle reste la même. Elle reste toujours jolie, toujours jeune. Je ne comprends pas pourquoi on ne vieillit pas. Alors que les enfants sont en train de grandir, je comprends que c'est l'onction. Amen. Je t'aime chérie. Que les faveurs du puissant de Jacob s'abattent sur toi ici. Tous les enfants depuis Kinshasa. Amen. Voilà. Laissez-moi mettre le thème du séminaire que nous sommes en train de clôturer. J'attends que vous puissiez partager les liens. Partagez les liens et nous allons devoir commencer. Amen. Voilà. Glory to Jesus. Alors, on n'a pas le temps à perdre. On va prier et nous lancer directement parce que nous avons 3 mois à partager aujourd'hui. Amen.
Père, nous te rendons grâce pour ton amour, te bénissons pour ta fidélité. Merci pour la vie, la force, la grâce que tu répands sur nous. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé depuis le 1er août, oh Dieu. Tu as commencé à nous instruire, Seigneur, par cet enseignement. Et nous prions, Seigneur, que ton esprit grave ces enseignements dans nos cœurs et nous motive à te chercher, nous motive à accéder dans ta présence pour chercher notre délivrance et celle de notre entourage, oh Dieu. Père, nous voulons être des hommes et des femmes libres, Seigneur, et libérés de tout envoûtement, libérés de toute possession démoniaque, libérés de toute force maléfique. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que tu l'es fait dans la vie de mon frère et tu l'es fait dans la vie de ma sœur, in Jesus' name. Nous disons, Toda Rabba Adonai. Amen. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Nice. Nous allons commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié. Amen. Voilà, merci Seigneur. Alors, hier, nous nous sommes arrêtés au mois de septembre et aujourd'hui, donc, nous allons devoir toucher le mois d'octobre. Ok, comme ça je disais, nous n'avons pas le temps à perdre. Et nous avons prié et là, nous allons nous lancer directement à la parole de Dieu. 9 mois de l'année, mois d'octobre. Dixième mois de l'année, allais-je dire, mois d'octobre. Voilà. Alors, c'est pas possible. Non, je devrais toucher septembre. Hier, on n'a pas les septembre. Donc, je n'avais pas écrit septembre. Permettez-moi que j'écrive mois de septembre. Sinon, ça va m'embrouiller. Mois de septembre, nous avions dit les démons géants, c'est t'amuses. N'est-ce pas? Voilà. Et aujourd'hui, nous touchons le 10e mois. Donc, mois d'octobre. Mois d'octobre. Voilà. Alors, les démons géants, c'est Baal. Baal. Les démons géants, c'est Baal. Attendez, je vais devoir. Voilà. Super. Comme ça, ça sera bien vu. Gloire à Dieu. Alors, le démon géant du mois d'octobre est appelé Baal. Baal, certainement, les lecteurs de la Bible connaissent Baal, le dieu de Baal. Élie et les prophètes de Baal au mont Carmel, n'est-ce pas, vous rappelez? Alors, dans le monde des ténèbres, le mois d'octobre est dédié à cette divinité, mais c'est le nom d'un démon, ok, un démon qui se lève pour prendre contrôle des vies des gens, un démon qui affecte la vie de tous les natifs d'octobre. Alors, je vais parler de deux esprits qui travaillent en collaboration avec Baal pour les natifs du mois d'octobre, et après, on parlera d'un intervalle, ok, afin de passer au mois d'octobre, de novembre. Mais avant cela, laissez-nous prendre notre verset parce que nous clôturons le séminaire aujourd'hui. Nous prenons notre texte de base qui nous parle des germes, des semences qui germent. Zacharie chapitre 6, versets 11 à 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici. J'aime le prophétique. Quand un prophète vient et dit « voici », et quand Dieu te parle, il dit « voici », c'est que la chose est arrêtée depuis les trônes. Alléluia. Il dit « voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira les temples de l'Éternel. Il bâtira les temples de l'Éternel. » Insistance, n'est-ce pas? Deux fois.
Il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Nous avons déjà expliqué tous les aspects de ces versets. Ok, nous voyons comment Dieu prévoit un homme et met déjà des semences dans cette personne. Et ces semences doivent donc germer, ok, afin que cette personne bâtisse le temple de l'Éternel. Et on voit des insignes sur la personne, bien-aimé. Et c'est comme ça, nous voyons que le diable aussi cherche à mettre ses semences dans la vie des gens depuis les naissances, afin que ces semences puissent germer plus tard. Et vous voyez la personne totalement métamorphosée, changée, ok, à l'image de ce que le diable a donc voulu. Alors, nous entrons directement au mois d'octobre. Nous avons dit les démons géants du mois d'octobre, c'est Baal. Et quel est le premier esprit, selon le plan du mois des ténèbres, le premier esprit qui travaille avec ces géants, rappelez-vous, c'est le même esprit du mois de septembre que nous avions dit, et revient au mois d'octobre. Pourquoi? Parce que c'est le dernier trimestre de l'année. Le premier esprit, c'est l'esprit de sacrifice humain. Hier, j'en ai longuement parlé, mais laissez-moi rappeler encore quelques points. Ce même esprit qui travaille au mois de septembre travaille aussi au mois d'octobre, voyez-vous, parce que octobre, c'est le premier mois du dernier trimestre. Et je vous avais dit que septembre était le mois charnière, ok, qui donne accès au dernier trimestre. Voilà pourquoi il y a des sacrifices humains au mois de septembre, et il y a des sacrifices humains au mois d'octobre. Alors, ceux qui sont nés au mois d'octobre, bien aimés frères et sœurs, sont susceptibles d'être sacrifiés par des sorciers, sacrifiés par les occultistes, sacrifiés par des satanistes. Donc, ce sont des gens, s'ils n'ont pas Jésus. Vous savez que, bien aimés frères et sœurs, vous savez qu'il y a des gens, naturellement, alléluia, même s'ils ne prient pas, naturellement, spirituellement aussi, ils sont têtus, les démons, les sorciers ne peuvent même pas le bouffer. Ok, vous verrez par exemple les expressions telles que « moi j'ai un sang très amer, un sorcier ne peut pas me bouffer ». Un grand sorcier de la famille n'arrive pas à supprimer cette personne alors que la personne ne prie pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que naturellement, cet homme soit comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a des projets sur lui. Voyez-vous, je vous ai donné mon exemple. On nous a amené chez des féticheurs, tous les amis, les trois amis, et c'était spirituellement, les goûts étaient entrés dans leur corps, mais moi, ça entrait, ça sortait, ça entrait, ça sortait. Et je ne priais pas, j'étais encore païen, mais Dieu avait des projets sur moi. Il savait que je serais son serviteur. Voyez-vous? Donc, il y a des gens, naturellement, ils sont comme ça, ils disent, non, moi j'ai un sang amer, on ne peut pas me bouffer. Voyez-vous? Mais les gens qui sont nés au mois d'octobre, mais ils sont susceptibles, ils sont vraiment accessibles, bien aimés, à tous les démons, à telle sorte qu'ils peuvent être sacrifiés facilement. Je viens là comme l'homme de Dieu, comme envoyé de Dieu. Pour toi qui es né au mois d'octobre, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit toi, ton fils, ta fille, ton père ou ta mère, ton mari ou ta femme, s'il est né au mois d'octobre, au nom de Jésus, il ne sera pas sacrifié par qui que ce soit. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, même si les sorciers viennent de la famille de ton père ou de la famille de ta mère, qu'ils soient occultistes ou satanistes, et qu'il a besoin de faire des sacrifices, ce n'est pas toi qui seras sacrifié. Au nom de Jésus, Jésus est déjà mort à la croix, il a déjà payé un grand prix pour que ta vie soit sécurisée, protégée, et que tu restes dans la volonté de Dieu. On dit après moi, amen, je reçois, je reçois. Amen. Alors, le deuxième esprit qui travaille avec Baal, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'esprit des jugements. Donc, les gens qui sont nés au mois d'octobre, bien-aimés frères et sœurs, ils aiment juger et condamner les autres. Ce sont des gens qui ont ce caractère de juger et de condamner les autres. Alléluia. Donc, eux, ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison dans tout ce qui se passe. Ok, ils aiment bien condamner, ils aiment bien juger les gens. Ça, c'est un caractère soufflé par ces démons qui a pris contrôle de sa vie depuis le jour de sa naissance. Alléluia. Vous allez remarquer dans cette personne, bien aimé, ou dans cet enfant, et même leur contemporain ou ses contemporains, pendant qu'il grandissait, lui, il juge toujours. Il juge toujours les gens. Il a toujours tendance à juger les gens, à juger, à condamner les gens, voyez-vous, à montrer du doigt aux gens. Et pour lui, lui, il est saint, lui, il est irrépréhensible, lui, il est irréprochable, mais ce sont les autres. Et ça, c'est un caractère, bien aimé, qui est soufflé par cet esprit. C'est-à-dire que
La personne s'est fait trop juger. Voyez-vous? Et il est possible que vous priez le Seigneur pour que cela change. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et le troisième esprit, je parle de trois esprits, qui travaille avec Baal avant d'entrer dans l'intervalle, parce que là, il y a aussi d'autres esprits. Le troisième esprit, c'est l'esprit de fétichisme. Alléluia. Ceux qui sont nés au mois d'octobre, bien-aimés, vont facilement vers les féticheurs, touchent facilement aux fétiches. Voyez-vous? Ils consultent facilement les féticheurs et touchent sans lacune aux fétiches. Juge chapitre 2, versets 11 à 13, lisez à la maison. Alléluia. Vous allez voir. Donc, les gens qui sont nés au mois d'octobre, bien aimés frères et sœurs, font facilement la divination. Ok? Ils vont facilement vers les féticheurs et ont tendance à consulter les devins. Amen. Alors, laissez-moi aller directement à l'intervalle. L'intervalle du 23, rappelez-vous, hier, nous nous sommes arrêtés au 22 septembre. Aujourd'hui, nous prenons ceux qui sont nés du 23 septembre au 22 octobre. Du 23 septembre au 22 octobre. Qu'est-ce que le monde des ténèbres a préparé, a prévu contre ces personnes? Rappelez-vous, dans ce séminaire, je ne fais que vous livrer les secrets du monde des ténèbres par rapport aux jours et dates de naissance. Le monde des ténèbres a prévu, dans cet intervalle du 23 septembre au 22 octobre, que tous les natifs de cet intervalle, bien aimés frères et sœurs, sont dirigés par l'esprit accusateur. Et rappelez-vous que le diable lui-même est notre accusateur auprès du Père. C'est pour dire qu'ils sont sous le contrôle de Lucifer, lui, notre accusateur. Et il fait de ces personnes des accusateurs. Vous remarquerez, même, vous remarquerez que cet enfant, ou même une grande personne, bien aimé frères et sœurs, a toujours tendance à accuser les autres. Même dans les milieux professionnels, tu as un collègue, ou toi-même, bien aimé, ou un collègue à toi, tu remarqueras, lui, il accuse les gens facilement auprès de la hiérarchie, auprès des chefs. C'est un accusateur. Bien aimé, il ne force pas. En fait, il n'est pas animé de mauvaise volonté. Mais c'est cet esprit-là qui le pousse à créer des problèmes aux autres. Et vous remarquez même l'enfant dans la maison, lui, il peut faire des choses, mais c'est lui qui accuse toujours les autres. Il accuse toujours les autres. Et rappelez-vous, j'ai dit toujours que ces esprits qui agissent dans le moi, ok, ne sont pas retenus dans le moi. Ils peuvent travailler dans la vie de d'autres personnes qui sont nées dans d'autres moi également. Ok, mais le natif de ces moi, bien aimés frères et sœurs, c'est quelque chose de préparé. Ok, et ils sont prédisposés à être dirigés par ces démons et à moins que le Seigneur étende sa main et qu'il délivre. Amen. Je dis toujours ça parce que quand Jésus te touche, tout change dans ta vie. Alléluia. Il est celui qui vient changer les choses dans notre vie. Rappelez-vous, bien-aimés frères et sœurs, rappelez-vous, aux noces de Cana, bien-aimés, le vin ayant manqué. Oh, le vin, c'est ce qui donne la joie à la fête. Le vin, c'est ce qui fait que la fête soit animée. Le vin ayant manqué, il a fallu que cet homme vienne produire du vin. Ok, afin de remettre la joie. Donc, là où la joie est partie dans une vie, dans une famille, quand Jésus vient, il fait que la fête reprenne. Il fait que la joie reprenne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lève mes mains, je déclare dans ta vie que la joie reprenne, que la fête reprenne, que le bonheur reprenne. Au nom de Jésus, si c'était déjà fini, bien-aimé, laisse que cela reprenne parce que Jésus se lève et il opère des miracles. Oh, qui me dit amen, je reçois. Alors, le deuxième esprit dans cet intervalle, c'est l'esprit des critiques. Les gens qui sont nés du 23 septembre au 22 octobre critiquent trop. Ils critiquent trop les gens. Bien, mais il peut te faire rire comme ça. Vous riez avec lui en face. Mais dès que tu donnes le dos, il commence à te critiquer. Il commence à parler du mal de toi. Il commence à dire, bien, mais méfie-toi de telle personne. Face, qui te disent des vérités en face. Parce que moi-même, je suis comme ça. Je ne parle pas derrière le dos des gens. Non, si j'ai quelque chose, je te parle, je t'appelle, je t'en parle, on discute, c'est fini. Mais les gens qui parlent derrière le dos, il faut se méfier d'eux. Bien, mais c'est un esprit très dangereux, l'esprit des critiques. Alléluia. Il te dit, mon ami, mon intime, ah, lui c'est moi. Mais dès que tu donnes le dos, ah, il ne faut pas suivre ça, c'est un méchant. Voilà, il m'a fait ça, il m'a déjà fait ça. Mais de toute façon, je zappe toujours parce que je me dis, bon, je dois faire avec, et je ne sais pas me débarrasser. Mais c'est quelqu'un qui m'a fait trop du mal. Oh, mais pourquoi tu parles de tout ça? Pourquoi? Alléluia. L'esprit des critiques.
C'est très dangereux. Le troisième esprit des gens qui sont nés dans cet intervalle, bien mes frères et sœurs, c'est la concurrence. Ils aiment trop ces concurrences avec les autres. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, non par rapport à lui, mais par rapport à une autre personne. Parce qu'il veut dévancer. Pourquoi? Parce qu'il veut être plébiscité. Pourquoi? Parce que lui, il veut qu'on le pointe du doigt. Il veut être remarquable. Il fait des choses toujours par concurrence. Ça, c'est un caractère stimulé par ces démons. Alléluia. Alors, le quatrième esprit, bien aimé, c'est l'esprit de corruption. Oh my God. Les gens qui sont nés du 23 septembre au 22 octobre, bien aimé, le monde éternel a prévu tout un démon pour les contrôler. Ce sont des grands corrupteurs. Ils aiment trop la corruption, bien aimé, frères et sœurs. Même là où il peut parler, alléluia, parler pour convaincre, lui, il cherche toujours à soudoyer, à corrompre. Alléluia. Donc, en fait, même pour gagner la confiance de quelqu'un, même pour gagner l'amitié, bien mes frères et sœurs, il cherche à donner beaucoup de présents juste pour gagner la confiance de la personne. Et vous remarquerez que la personne ne s'attache pas parce qu'il y a une amitié, mais parce que la personne, la conscience de la personne pèse. Il me donne toujours. Il me fait toujours du bien. La corruption. Bien aimé, on ne corrompt pas l'amour. Alléluia. On ne corrompt pas l'amour. On ne corrompt pas l'amitié. Non, ça se gagne. Ça se gagne. Alléluia. Ça se gagne, bien mes frères et sœurs. Bon, de toute façon, si tu n'as pas de mots pour parler, pour convaincre les cœurs, il faut me contacter une box. Je sais comment t'orienter pour convaincre les cœurs. Alléluia. Il faut demander à ma femme, elle te dira. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oh, amen. Mais le cinquième esprit qui travaille avec les gens qui sont nés dans cet intervalle, c'est l'esprit de la haine. La haine. Mais les natifs du 23 septembre au 22 octobre sont dirigés ou habités par l'esprit de haine. Mais regardez autour de vous, vous allez constater cela. Vous allez constater cela. Il faut que la main du Seigneur s'étende pour délivrer, pour libérer. Vous voyez que la personne a la haine. Elle pardonne difficilement. Mais même si elle pardonne, elle n'oublie pas. Et te dira pardonner, ce n'est pas oublier. C'est Dieu qui oublie, mais l'homme n'oublie pas. Qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas Dieu. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Les blessures sont toujours dans mon cœur. Mais non, ça, ce sont des rancuniers. Il y a la haine dans le cœur. Alléluia. Et le sixième esprit qui travaille dans cet intervalle, c'est l'esprit d'instabilité. Oh my God. Les natifs de cet intervalle du 23 septembre au 22 octobre, bien aimé, sont trop instables dans la vie. Non, j'interdis tous ces esprits d'opérer dans ta vie, même si tu n'es pas né dans cet intervalle, même si tu es né dans un autre moi, j'ordonne à l'esprit d'instabilité de quitter ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu ne peux pas être instable dans la vie. Non, Dieu nous a appelés à être stables. Oh my God. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je frappe non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'air, mais je cours vers le but pour atteindre l'objectif. Je veux atteindre la perfection. C'est-à-dire que je fais les choses avec une certaine stabilité, avec une certaine constance. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à être instables dans la vie. Je chasse ces démons de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Il est possible que tu sois stable dans tes relations, dans tes finances, alléluia, dans ton mariage, dans tout. Bien-aimé, toi, tu changes toujours des relations, tu changes toujours d'amitié. Bien-aimé, l'instabilité dans tes finances, l'instabilité, non, laisse que le Seigneur te stabilise. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que ta vie soit stable dans tous les domaines, sur tous les plans, que ta vie soit stable. J'entends quelqu'un dire, je reçois, je reçois, je reçois. Oh my God, my God. Alléluia. Bien aimé, partagez la vidéo, partagez les liens s'il vous plaît, partagez les liens, ok, communiquez avec quelqu'un, dites à quelqu'un, notre pasteur du soir est là, oh, praise the Lord. L'esprit de stabilité, c'est le sixième esprit, et le septième esprit dans cet intervalle, c'est l'esprit de jalousie. J'en ai déjà parlé et on va gagner le temps, n'est-ce pas? L'esprit de jalousie. Ces gens sont très jaloux, les natifs de cet intervalle. OK? Et le septième esprit, c'est l'esprit du jugement. Je crois, j'en ai déjà parlé parmi les géants du mois d'octobre, n'est-ce pas? L'esprit du jugement. Et le huitième esprit, voilà, huitième, non? Neuvième esprit,
Le neuvième esprit, c'est l'esprit des justifications. Ce sont les gens qui se justifient toujours. Ils n'ont jamais eu tort. Ils n'acceptent pas des remarques. À chaque fois qu'on fait une remarque, bien aimé, ils cherchent toujours à se justifier. Et vous remarquerez que même autour de vous, les gens n'aiment plus vous faire des remarques. Les gens n'aiment plus vous parler parce qu'ils disent, même si tu parles, il aura toujours un argument. Il aura toujours une réponse. Il me dit, bien aimé, vous verrez quelqu'un dire, écoute, ne gaspille pas ton énergie. Il ne va pas écouter. Il aura toujours un argument. Bien aimé, ce sont les gens qui se justifient toujours. Toujours se justifient toujours. Or, lorsqu'on cesse de te prodiguer des conseils, c'est ta chute, c'est ta fin. Lorsqu'on cesse de te prodiguer des conseils, bien-aimé, c'est ton déclin. C'est ta mort. La Bible dit que le salut se trouve dans beaucoup de conseillers. Lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, il y a le salut. Mais lorsqu'on ne te conseille plus, c'est la mort. Et les natifs de ces mois, bien-aimés, sont habités par l'esprit de justification. Alléluia. Mais ne sois pas celui qui se justifie toujours. On te dit quelque chose, tu cherches à te justifier. Alléluia. Et ceci n'est pas seulement pour les natifs de cet intervalle, mais dans beaucoup de gens qui sont nés dans d'autres mois. Et tu remarques autour de toi, ils ont toujours un argument. Ils ont toujours des justifications. Mais non, des fois, quand on te fait des remarques, accepte. Accepte, dis-toi, oui, peut-être moi, je ne vois pas, mais eux, ils voient mieux que moi. Amen. Bien-aimé, c'est comme un joueur qui est sur le terrain. Un joueur qui est sur le terrain ne voit pas beaucoup d'erreurs. Bien-aimé, pour lui, il voit qu'il joue bien. Mais les gens qui sont sur le banc, les gens qui sont au stade, ils ne sont pas professionnels comme lui. Mais ils voient des erreurs. Lui, il est professionnel. Étant donné qu'il est sur le terrain, il ne voit pas d'erreurs. Mais ceux qui ne sont pas professionnels, étant sur les gradins, eux, ils voient des erreurs. Alors, si tes reproches, et vous remarquerez, les gens qui sont sur les gradins, bien aimés, peuvent commencer à huer un professionnel qui est sur le terrain. À chaque fois qu'il touche un ballon, le public commence à huer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il va toujours commettre une erreur. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Alors, là, c'était le neuvième esprit, les justifications, ok? Et il aime s'expliquer toujours pour avoir raison. Et le dixième esprit, c'est l'esprit de mensonge. Les gens qui sont dans cet intervalle, bien-aimés, sont habités par l'esprit de mensonge. Ils mentent comme ils respirent. Ils mentent sans effort, sans effort. Ils ne cherchent même pas le mensonge. Ça vient de soi, ça coule, c'est fluide dans son esprit. L'esprit de mensonge. Pourquoi? Parce que Satan est le père des mensonges. Et rappelez-vous que le mois d'octobre est géré par Baal, toute une divinité. Amen. Le onzième esprit, c'est l'esprit de plaidoirie. Ok? Et le douzième, bien aimé, bon, je vais m'arrêter par là parce qu'on doit gagner du temps. Je passe au mois de novembre. Praise the Lord. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Que Dieu te bénisse, qu'il déverse sa grâce sur toi. Amen. Voilà, je passe au mois de novembre. Que Dieu nous aide à terminer. Voilà. Onzième mois de l'année. Mois de novembre. Voilà. Alors, le démon géant du mois de novembre préparé par les mondes des ténèbres s'appelle Rekat. Rekat. Rekat, voilà, c'est le géant qui domine ou qui dirige le mois de novembre. Ok? Alors, il travaille avec principalement un esprit, mais on va parler de deux esprits qui agissent dans le même domaine, okay? les natifs du mois de novembre, qui sont dominés par Rekat, ils ont toujours l'esprit de la magie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont prédisposés à travailler dans la magie, à être influencés par la magie. Okay? Et deuxièmement, c'est l'esprit d'enchantement, ou l'esprit enchanteur. Ok, donc quand on parle de la magie, l'enchantement, ok, donc nous voyons déjà l'occultisme, nous voyons des loges mystiques telles que la Rose-Croix, le Maïkari, la franc-maçonnerie, ok, l'Illuminati, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de loges, beaucoup de sectes magico-religieuses, ok, des Krishna et ainsi de suite. Donc ce sont les gens qui sont habités par ces esprits, ils ont
tendance, en fait, ils ont toujours tendance à aller dans ce sens. Alors, s'ils ne sont pas initiés, ok, mais ils ont toujours le goût de la lecture des livres occultes. J'ai un frère comme ça à l'église. Je crois que pendant que je parle, mon épouse peut connaître les frères. Ce frère, il est natif du mois de novembre. Lui, il aime trop faire la lecture. Alors, il lit des livres, il lit des livres, il lit des livres. Mais un jour, il est tombé sur un livre où il voit sur la page, sur la couverture, il voit le triangle avec un nez. Et tout autour, on a mis des rayons solaires, des rayons de la lumière. Et il s'est mis à lire. Et pendant qu'il lisait, il lisait, il lisait, il lisait. Et à un moment, il sent sa tête comme si sa tête commençait à lui faire mal. Et il commençait à avoir des vertiges. Alors, il est allé dormir. Et pendant qu'il dormait, bien mes frères et sœurs, il a été visité par des démons. Des démons. Et après un temps, le frère a commencé à côtoyer la Rose-Croix. Parce que à Kinshasa, en Ngaliema-Lupène, là où nous sommes, il y a le temple de la Rose-Croix, qui est la représentation de l'Afrique centrale. C'est là, bien mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que nous faisons beaucoup de prières, parce que nous évoluons dans un milieu où le temple de la Rose-Croix, qui représente l'Afrique centrale, est là, implanté là. Et le Seigneur est avec nous, il fait de grandes choses. Alors, le frère est allé à la Rose-Croix pour chercher à comprendre la lumière dont on parle. Et il a commencé à être initié. Et il est venu me voir pour me dire, Daddy, regarde, j'ai lu un livre, et ainsi de suite. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Donc, les natifs du mois de novembre, bien-aimés frères et sœurs, sont prédisposés, ok, à entrer dans la magie, dans l'enchantement, donc dans des loges mystiques. Mais allons plutôt dans l'intervalle du 23 octobre au 21 novembre. Oh my God, j'étais en train de dire, excusez-moi, cher Lévi des Nations, le mois de novembre, le géant, c'est Rekat travaille avec deux esprits, l'esprit de la magie et l'esprit d'enchantement. Là, nous voyons toutes les loges, je répète pour les Lévi des Nations, j'avais oublié, vous savez, c'est sur WhatsApp, j'ai oublié d'activer les audios. Donc, nous voyons la magie, c'est-à-dire les sciences mystiques, la Rose-Croix, Maïkari, Franc-Maçonnerie, Illuminati, les Krishna, toutes ces sept magico-religieuses, bien mes frères et sœurs. Les gens de novembre ont facilement accès et à lire des livres magiques et à être initiés. Je prie que le Seigneur t'épargne de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit toi, tes enfants, tes frères et sœurs, que personne n'entre dans ces choses et que la grâce du Dieu de Jacob vous protège. Amen. Pour que vous restiez sous l'alliance de Golgotha. Amen. Alors, l'intervalle du 23 octobre au 21 novembre, mais quels sont les esprits qui travaillent ou qui régissent la vie des natifs de cet intervalle du 23 octobre au 21 novembre? D'abord, il y a l'esprit des blessures intérieures. Oh my God, laissez-moi vous expliquer ces choses. Je crois dans l'un des séminaires que j'ai déjà animé ici, que vous trouverez dans notre chaîne YouTube, si vous allez dans Playlist, vous cherchez les portes d'entrée du diable. Les portes d'entrée du diable, vous verrez, dans ce séminaire, il y a une vidéo où je parlais des blessures intérieures. Quand je parle des blessures intérieures, je sais ce que c'est. Or, je ne suis pas natif de novembre. Non. C'est pour dire que cet esprit ne travaille pas qu'avec les gens qui sont nés au mois de novembre ou 23 octobre. Non. Bien-aimé, cet esprit, lorsqu'il t'habite, bien-aimé, il te rend d'abord sensible à tout ce qui se passe autour de toi, à toutes les paroles que l'on te dit. Toutes les paroles dites sur toi, bien-aimé, même des paroles que tu peux zapper. Ça va te blesser. Ça va te blesser. C'est-à-dire qu'il te rend malade. Oh, les blessures intérieures, cet esprit, lorsqu'il vient habiter en toi, il te rend sensible à tout. Bien-aimés mes frères et sœurs, les blessures intérieures viennent te rendre malade. Elles causent des maladies cardiovasculaires. Bien-aimés, ces maladies, lorsqu'elles rentrent en toi, bien-aimés, l'hypotension, l'hypertension, alléluia, gastrite. Donc, pourquoi? Parce que ton cœur est blessé. Et un cœur blessé devient rancunier. Un cœur blessé devient un cœur rempli de haine. Donc cet esprit, bien-aimé, habite dans la vie de ceux qui sont nés dans cet intervalle. Les natifs de fin octobre et
novembre, bien aimé, sont des gens qui se blessent trop. Regarde même autour de toi, tu verras que oh, la personne qui vit avec des blessures intérieures se renferme sur elle-même. Se renferme sur elle-même, comme une tortue. Moindre danger, se renferme. Et vous remarquerez même des hommes ou des femmes de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, qui évitent. C'est-à-dire que tu commences à éviter des gens, tu commences à éviter des problèmes, moins de problèmes, tu te renfermes sur toi-même, tu te replies. Et voilà pourquoi ça crée la réticence. Tu remarques que la personne se retire trop des autres. Pourquoi? Parce qu'elle a peur d'être blessée. Alors que la vie est faite des gens, la vie est faite des relations, des connexions. Il faut affronter des problèmes, il faut affronter les réalités. Oh, alléluia! Il faut affronter les réalités. Alors, le deuxième esprit qui travaille dans cet intervalle, c'est l'esprit de blocage. Les gens qui sont nés du 23 octobre au 21 novembre vivent beaucoup de blocages dans leur vie. Je dis beaucoup de blocages dans leur vie. Tout ce qu'ils font, bien aimé, finit par être bloqué. Les portes se bloquent. Ils essayent d'investir, ils essayent d'investir, blocage. Blocage dans les études, dans le travail, dans les affaires, dans les relations, dans le commerce. Blocage, bien aimé, même dans les démarches administratives, des démarches pour quoi que ce soit. Toujours des blocages. C'est pour dire que le démon ne veut pas qu'ils avancent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout blocage devant toi, au nom de Jésus, et que toutes blessures intérieures soient pensées au nom de Jésus, que le sang de Jésus passe dans ton cœur. Jésus qui m'a guéri des blessures intérieures, qu'il te guérisse, je dis qu'il te guérisse au nom puissant de Yeshua HaMashiach, et que tout blocage dans toutes les démarches, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, tombe au nom de Jésus, que le blocage tombe, et que tout soit débloqué. Alléluia. J'ai dit débloqué. Même tes finances, au nom de Jésus. Si tu crois, lève tes mains là où tu es. Que tes finances soient débloquées. Que toutes tes démarches soient débloquées. Alléluia. Que les comptes bloqués soient débloqués. Que des relations bloquées soient débloquées. Que les promesses bloquées soient débloquées. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Le troisième esprit qui travaille dans cet intervalle du 23 octobre au 21 novembre, c'est un esprit de douleur. Vous savez que les douleurs, c'est tout un esprit, oh my God. Laissez-moi vous expliquer ça. Je vais courir avec le temps. L'esprit de douleur. Il y a tout un démon qui vient causer des douleurs dans le corps. Alléluia. Ceux qui ont lu Rebecca Brown, cet évangéliste américain que le Seigneur a beaucoup utilisé dans les délivrances, alléluia. Et d'ailleurs, presque la plupart de tous les ministères de délivrance fonctionnent, et au moins pour ceux qui étudient, des serviteurs, des servantes qui étudient, parce qu'il y en a qui font, parce que l'Esprit les a poussés et ils sont là. Mais je crois que le Seigneur a utilisé des gens, des patriarches, des gens, des aînés, et à partir de leurs expériences, nous évoluons. Et la plupart de ceux qui ont l'habitude de lire, alléluia, et surtout ceux qui évoluent dans le ministère de délivrance, on lit Rebecca Brown avec ses livres extraordinaires de best-sellers. Okay? Les livres qui sont des best-sellers. Il y a « Il veut libérer les captifs afin que les chaînes tombent »,« Préparer la guerre okay? », de gros livres. Et elle a expliqué, okay? parce que Rebecca Brown, le Seigneur l'a utilisé pour faire la délivrance de Hélène. Hélène qui était une des femmes de Satan. Une des formes de Lucifer. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent comme notre Dieu, comme notre Jésus. Jésus est omniprésent. Il est partout au même moment. Mais Satan n'est pas partout au même moment. Alléluia. S'il est occupé aux États-Unis, en Europe, il n'est pas là. En Afrique, il n'est pas là. En Océanie, en Asie, il n'est pas là. Mais il a des représentants. Chaque zone géographique, il y a des prêtres de Satan et des prêtresses de Satan. Alléluia. Alors, Hélène était une des prêtresses aux États-Unis et une femme occultiste à un niveau élevé, elle était femme, elle était prêtresse, et Rebecca Brown a fait sa délivrance. Comprenez-vous? Alors là, elle explique comment les démons de douleur. C'est-à-dire, tu peux être là, puis mes frères et sœurs, tu dors, tu te réveilles, ou encore, tu ne dors pas, tu es là, tu es sorti, tu es rentré, mais tu sens des douleurs dans ton corps, des courbatures partout, mais tu n'as pas porté
porté des charges, tu n'as pas porté des choses lourdes, en fait, tu n'as pas porté des choses qui peuvent te causer des douleurs ou des courbatures, rien du tout, tu n'as pas mal dormi, tu n'as rien fait, mais tu sens que tu as des douleurs dans le corps. Mais c'est tout un démon qui vient causer des douleurs pour te rendre malade. Or, lorsque tu as beaucoup de douleurs partout, partout dans le corps, tu vas sentir comme s'il y avait la fièvre qui monte en toi. Alors, donc, en fait, il est là, il veut juste ouvrir la porte à d'autres démons de maladie pour qu'ils viennent s'installer. Et alors, les natifs de ce mois, bien aimés frères et sœurs, sont habités aussi par les démons de douleur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont souvent des douleurs sans cause, des douleurs qu'on ne sait pas expliquer. Et même le médecin, on peut faire, bien aimé, on peut faire des examens, des radiologies, et ainsi de suite, des scanners, mais on ne trouvera pas la cause des douleurs. Laisse que le Seigneur te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Et il y a des gens qui ont des douleurs à vie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles, il faut prendre des antidouleurs. Mais ils n'ont rien porté de grave, ils n'ont pas fait des travaux lourds, non. Mais des douleurs, il faut des antidouleurs. Que le Seigneur te délivre de cet esprit au nom puissant de Christ et Jésus. Amen. Oh my God, je suis en train de regarder l'heure, je cours derrière le temps. Amen. Alors, le quatrième esprit dans cet intervalle du 23 octobre au 21 novembre, c'est l'esprit d'espionnage. J'en ai déjà parlé. Amen. Oh my God, apparemment, la connexion... Non, c'est bon. Je crois que vous me captez très bien. Il y a pas, ça ne bug pas, ça bug un peu là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Gloire au Seigneur. Supportez-nous. Si ça bug un peu, supportez-nous. Amen. Voilà. Alors, l'esprit d'espionnage, je crois avoir déjà expliqué, ce sont des personnes antennes. Okay? Donc, le diable se sert de facilement, alléluia, comme des antennes. Voyez-vous, et j'avais déjà expliqué ça dans l'une des vidéos, on va gagner le temps. Alors, le cinquième esprit qui dirige ou qui vit avec ces gens, l'esprit des morts. Par l'esprit des morts. L'esprit des morts. Bien aimé, il meurt mystérieusement. Mort par accident. Bien aimé. Donc, mort subite, mort sous le sommeil. Donc, l'esprit des morts est avec eux. Tu dois prier le Seigneur. Si tu es natif de cet intervalle ou de ce mois, fin octobre et novembre, tu dois prier. Pourquoi? Parce que c'est septembre, octobre, novembre, décembre sont des esprits où l'esprit des morts fonctionne. Alléluia. L'esprit des sacrifices fonctionne. Mais particulièrement pour fin octobre et novembre, bien-aimés, ces gens sont habités par l'esprit des morts. Et le sixième esprit dans cet intervalle, prévu par le monde des ténèbres, c'est des maladies. Donc, ce sont des gens qui ont plusieurs maladies dans le corps. Celle-ci vient, par l'autre vient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies très susceptibles aux diverses maladies. Et je sais qu'à la croix, Christ a versé son sang pour que tu sois délivré. A versé son sang pour que tu sois affranchi. A versé son sang pour que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ton corps n'est pas le temple des maladies, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh my Jesus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'ordonne et je commande que toutes les maladies qui menacent ton corps te quittent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit guérie de toute maladie. Je dis guérie de toute maladie et que ces démons partent, te quittent, te libèrent au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Oh my God, qui me donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc, voilà. Alors, le septième esprit, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, le septième esprit dans cet intervalle, c'est l'esprit des paroles blessantes. Alors, comment on explique ça? Comment on explique ça? Bien, mes frères et sœurs, vous verrez certaines personnes, et surtout les natifs de cet intervalle, fin octobre et novembre, bien, mes frères et sœurs, ils ont toujours des paroles blessantes. Des paroles blessantes, bien, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le diable les utilise, excusez-moi, le diable les utilise pour avoir accès dans la vie des autres personnes. Tu verras un petit enfant, tu verras un homme mature, mais quand il parle à un papa ou une maman, un jeune frère et soeur, lorsqu'il parle, bien-aimé, il a toujours des paroles très blessantes. Des paroles blessantes, bien-aimé, frères et soeurs, pour faire du mal aux autres.
C'est tout un démon, c'est tout un esprit qui anime ces gens. Bien-aimés, regardez autour de vous et vous verrez que vous avez besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors, le huitième esprit, et là, ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit d'apitoiement. Les gens qui sont nés dans cet intervalle, fin octobre et novembre, bien mes frères et sœurs, sont les gens qui s'apitoient sur eux-mêmes. Et là, je t'interdis de t'apitoyer sur toi-même, bien-aimé, t'apitoyer sur ton sort. Le Seigneur est là pour changer les choses. Jésus est là pour bouleverser les données. Oh my God, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il est là pour bouleverser les données. Tu ne peux pas commencer à t'apitoyer sur toi-même. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je suis venu dans ce mariage. Je ne sais pas, oh mon Dieu, quelle erreur ai-je commise. Je ne sais pas, moi vraiment, je ne sais pas, vraiment, je souffre dans la vie, je ne sais pas. Seigneur, si tu peux me prendre, prends-moi. Non, non, non. Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Quand Jésus est là, il est là, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous, bien-aimé. Il prend soin de vous. Il est là pour prendre soin de toi. Décharge-toi sur lui. Mais vous verrez que les gens qui sont là dans cet intervalle, bien-aimé, s'apitoient trop. S'apitoient trop. Même s'ils ont quelque chose, bien-aimé, frères et sœurs. Mais ce sont des éternels insatisfaits. Ils s'apitoient toujours sur eux-mêmes. Voilà pourquoi d'autres se renferment, se renferment. Amen. Alors, le neuvième esprit, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e esprit, je crois, n'est-ce pas? Voilà, 10e esprit, et on va toucher le 11e, on va s'arrêter là pour prendre décembre. Le 10e esprit, selon le plan du monde des ténèbres, alléluia, les gens qui sont nés dans cet intervalle sont habités par l'esprit des schizophrénies. Schizophrénie, comme vous savez, ce sont des maladies mentales graves caractérisées par une perte de contact avec la réalité et une altération du fonctionnement mental. Ok, une dissociation de la personnalité. Donc, ce sont des gens qui sont susceptibles, okay, à vivre la schizophrénie, okay, une dissociation avec la personnalité. C'est-à-dire que la personne a perdu des facultés mentales. Amen. Excusez-moi. Voilà. Donc, ils sont susceptibles, okay, à vivre ces maladies. La perte de mémoire. Il commence à oublier les gens, il commence à oublier même les proches. Non, que le Seigneur te délivre, qu'il te fasse grâce pour que ces plans du monde des ténèbres ne se concrétisent pas dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne perdras pas, bien-aimé, ta mémoire. Au nom de Jésus, tu ne perdras pas ta personnalité. Tu ne vas pas te dissocier de ta personnalité pour commencer à faire des choses. Des choses qui sont contraires à ta personnalité. Au nom de Jésus. Excusez-moi. Le fait de beaucoup parler et parler vite, vous comprenez? Amen. Et le dernier esprit du mois de novembre, bien mes frères et sœurs, et c'est très grave et c'est très courant, c'est l'esprit des soucis. C'est tout un démon qui vient causer des soucis. Voilà pourquoi Jésus a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce qu'il y a tout un esprit qui viendra te causer des soucis. Alors, les natifs de fin octobre et tout novembre sont des gens qui sont habités par ces démons. Ils se soucient trop de la vie. Ils se soucient trop de leur vie, de leur destinée. Ils se soucient trop de tout ce qui se passe autour d'eux. Alors que le Seigneur est là pour donner la solution. Alors que le Seigneur est là pour alléger ta tâche. Alors que le Seigneur est là pour prendre ton fardeau. Je vais m'excuser, bien mes frères et sœurs. Amen. J'avais commis l'imprudence de ne pas mettre un verre d'eau avant l'émission. Donc, vous allez me supporter comme ça. Amen. On va terminer. Donc, ils sont habités par cet esprit de soucis, bien aimés. Ils sont trop soucieux. Les natifs de ce mois, trop soucieux. Amen. Je t'interdis de faire des soucis sur ta vie. Jésus est là. On dit après moi, Jésus est là. Oh my God. Dis encore, Jésus est là. Ne fais pas trop de soucis sur toi. Jésus est là pour t'alléger la tâche. Il est là, bien mes frères et sœurs. Amen.
Oh, praise the Lord. Il nous reste 10 minutes et on va parler du mois de décembre. Que Dieu bénisse, est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Amen. Ouf! Enfin, on va terminer ce séminaire. Enfin. Oh, praise the Lord. Mois de décembre. On va parler du mois de décembre et les deux mots géants du mois de décembre. Oh my God. Les deux mots géants s'appellent dragon. Dragon. Ok, et quand on parle de dragon, on voit directement Lucifer. Donc, dragon, on voit Lucifer. Merci Seigneur. Voilà. Ah, c'est invisible. Je vais le faire monter un peu. Voilà. Ah, je dois plutôt désactiver ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, le démon géant. Alors, le démon géant du mois de décembre, c'est dragon. Dragon, c'est-à-dire Lucifer. C'est lui-même. Lui-même, il est à la baguette parce que c'est la fin de l'année. Alléluia. C'est la fin de l'année. Oh, oh, oh. Il y a des réunions également, des grandes réunions qui s'organisent. Rappelez-vous, dans le monde des ténèbres, les grandes réunions, bien-aimés, les grandes réunions se font au mois de juin et au mois de décembre. Les deux mois où il y a des grandes décisions. Des grandes décisions. Alléluia. Donc, je vous avais dit, fin mai, il y a des réunions qui se font, il y a le bilan qui se fait déjà pour le premier semestre